selon sa, son habitude, selon son style de vie, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the scripture. The scroll of Isaiah the prophet was handed to him. He unrolled the scroll and found the place where this was written. On peut s'asseoir. And now, nous saluons ceux qui nous suivent. Our seats, and we can greet those who are following us on social media. Allez sur les réseaux sociaux. Et nous disons que l'Éternel Yahweh vous bénisse. Amen. The Lord Yahweh bless you. Nous allons parler de ce sujet du sabbat comme un style de vie. So we're going to speak about the subject of Sabbath being a lifestyle. Je vais expliquer deux ou trois mots. And I'm going to explain two or three words. Avant que nous entrons dans le vif du sujet. Before we start going in depth with what we're going to teach. Quand on parle de coutumes. So when we're speaking about customs. C'est souvent la manière d'agir d'un peuple. It's usually the way people behave. Quand on parle de coutumes. So when we speak about customs. Usually the habits that people have. Et quand on parle de style de vie, and when we speak about lifestyle, c'est souvent la manière de vivre établie à travers de certains caractères de peuple. It's a way of living established through certain characteristics, behaviors, as well as beliefs. À travers leur comportement, through their behaviors. À travers leur croyances, as well as their beliefs. Leurs habitudes et leurs valeurs. Their habits as well as their values. Et quand on parle du sabbat, so when we speak about the Sabbath, on parle du repos. We speak about rest. Et quand on parle du jour du repos, so when we speak about the day of rest, c'est-à-dire on parle du jour du sabbat. Alléluia. We're also speaking about the day of Sabbath. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? La Bible dit ici dans Luc 4, verset 16 et 17, the Bible says in Luke 4, verse 16 to 17, que Yeshua est allé dans la synagogue le jour du sabbat selon sa coutume. That the Lord Yeshua went to the synagogue on the day of the Sabbath according to his custom. En anglais on dit usually. So en France, en anglais on dit la tendance. Dans d'autres versions on dit c'est une bonne éducation. A good education. Qu'on donne à un enfant. That we can give to a child. C'est ce qu'on fait. Is what we ourselves do. Alléluia. Tu peux dire à un enfant de ne pas voler. So you can tell a child not to steal. Mais si l'enfant te voit, then the child will end up by stealing also. Yeshua a vu le Père. And Yeshua had seen the Father. Sanctifier le sabbat. Sanctify the day of Sabbath. Lui aussi il a commencé à sanctifier. So Yeshua himself began to sanctify the day of Sabbath. Genèse 1 verset 1 la Bible dit ceci. Genesis 1 verse 1 the Bible says this. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Beginning, the Lord created both heavens and earth. Et après, on a commencé à expliquer comment il avait créé la terre, le ciel et la terre et ses armées. And afterwards, it explained how he created both heavens and earth as well as the armies. Et si nous regardons Genèse 2, and if you read Genesis 2, verse 2, dans le Genèse 2, Genesis 2, verse 1, vous le reconnaissez? If we can read it together, la Bible dit ainsi firent à and earth and everything in them was completed. En français, quand on dit ainsi fit achevé, ainsi fit achevé, c'est-à-dire qu'on se réfère au texte passé. Alléluia. So when we're speaking about as it was done, we're alluding to what was done in the past. Donc on nous dit tout ça qui s'est passé dans Genèse 1. So they're explaining to us what occurred in Genesis 1. Quand ça s'est terminé, on dit c'est comme ça que Dieu a créé le ciel de la terre et il a terminé. And when it ended, the Bible explains how the Lord created heavens and earth and everything was completed. Et le verset 2. And verse 2. On dit que Dieu acheva au septième jour son propre, son œuvre qu'il avait fait et il se reposa au septième jour de tout son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. The Bible says that on the sixth day he completed all of his work, and on the seventh day he rested. Therefore, he sanctified the seventh day. Alléluia. Yeshua a vu que le Père a, c'est ainsi que le Père a fait. And so Yeshua seen that his Father had done that by sanctifying the day. Il a fait tout pendant les six jours. And he has done all the work for 6 days. But on the seventh day, the Lord had rest. Marc 2, verset 28. In Mark 2, verse 27 to 28. La Bible dit que le sabbat c'est fait pour l'homme. The Bible says that Sabbath was made for man.
And Yeshua HaMashiach is the master of Sabbath. So on the seventh day, the Lord who created man on the sixth day, took man and entered him into the Sabbath. Because for the Sabbath, the Lord created man. And the Lord himself is the master of the Sabbath, which means on the day of Sabbath, it's for him to live. It's for him to live. He is the one that we have to celebrate. Hallelujah. So that was the first response. La deuxième réponse, and our second answer, je dis, Yeshua l'a trouvé dans la loi. I said Yeshua found him in the law. Nous allons lire Ézéchiel 20. And we're going to read Ezekiel 20. Le verset 18. Verse 18. Jusqu'au verset 20. Till verse 20. Voici ce que la Bible me dit. And here's what the Bible says. Ça, c'est Dieu qui parle. And this is the Lord speaking. J'ai dit à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères. N'observez pas leurs coutumes. N'observez pas leurs habitudes dans leurs versions. Observez pas leur façon de vivre. Et ne vous suivez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes. Observez mes commandements. Et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Then I warned their children not to follow their parents' footsteps, defiling themselves with their idols. I am the Lord your God, the Lord says. Follow my decrees, pay attention to my regulations, and keep my Sabbath days holy. For they are a sign to remind you that I am the Lord your God. Alleluia. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël. So here the Lord is telling the children of Israel. Il a dit ne suivez pas les coutumes de vos pères. He tells them not to follow the ways, the lifestyle of their fathers. Ne suivez pas leur mode de vie. Do not follow their way of living. Vous allez vous suivre à parler des idoles. You will defile yourselves by worshiping. Moi, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a créé. Your God who has created you. Je vous donne le sabbat. So I'm giving you the sabbat. Sanctifiez le sabbat. Sanctify the sabbat. Mettez-le en pratique. And put to a practice. Vivez selon le sabbat. And live according to the Sabbath. Alléluia. Je dis Yeshua l'a trouvé dans la loi. And Yeshua had found this in the law. Parce que la Bible dit chaque sabbat, il lisait la loi. Donc il connaissait la loi. Exactly. Yeshua was reading the law, therefore he knew the law. Et la Bible me montre encore. And the Bible also shows us again. Yeshua, qui entrait avec la coutume d'aller dans la synagogue chaque jour le sabbat. Yeshua, who had as a custom every Sabbath. The Bible shows us in Acts 17, verse 1 and 2. We're going to read it. Paul et Silas passèrent dans Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Alléluia. Paul and Silas then traveled through the towns of Amphipolis and Apollonia. La Bible me montre aussi que Paul aussi avait la même habitude. Therefore, the apostle Paul also had the same custom. Paul aussi avait la même coutume. Paul had the same custom. Que Yeshua Mashiach. That Yeshua Mashiach had. Le jour du sabbat. So on the day of Sabbath. Il se manifeste pendant trois sabbats. Here the Bible says during three Sabbaths. He was in the synagogue. He was discussing about the word of God. Alleluia. Amen. I asked myself this question, so you and I. Quelle est notre routine? What is our custom? Quelle est notre habitude? What are our habits? Quelle est notre façon de vivre? What is our way of living? Ephesians 2, verse 20. Ephesians 2, verse 20. La Bible nous recommande que nous devons nous édifier, nous devons nous former selon, en suivant le fondement des apôtres, en suivant le fondement des prophètes. The Bible tells us that we should be formed and edified while following the ways of the prophets and the apostles. Ephesians 2, verse 20, la Bible dit nous devons nous édifier. Ephesians 2, verse 20, the Bible says that we have to edify. Notre fondement, notre édification, notre formation, notre vie. And our lives should also be formed. Avoir comme fondement.
and should have as foundation. C'est que les apôtres ont fait, c'est que les apôtres ont vécu, c'est que les prophètes ont vécu. What the apostles had done, what the apostles. Yeshua Mashiach, c'est que la pierre angulaire. Alors Yeshua Hamashiach himself is the cornerstone. Donc si le sabbat était fait pour l'homme, so if the Sabbath was made for man, et que Yeshua avait cette coutume de respecter le sabbat, and Yeshua had as a custom to observe the day of Sabbath. Si Paul aussi avait l'habitude de respecter le sabbat, and Paul also tend to respect the day of Sabbath. Moi aussi, je devais respecter le sabbat. I also should respect the day of Sabbath. Alléluia. Nous allons lire Exode 20, verset 8. And we're going to read Exodus 20, verse 8. Parce que la Bible dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Because the Bible says the Sabbath was made for man. Le sabbat a été fait pour toi et moi. Sabbath was made for you and I. Je vous ai donné le sabbat. And the Bible says that the Lord said that he gave us the Sabbath. Il ne marchez pas selon les coutumes de vos pères. Do not walk according to the footsteps of your fathers. Mais sanctifiez le sabbat. But sanctify the day of Sabbath. Il vient dans Exode 20, verset 8. He comes in Exodus 20, verse 8. Il dit, souviens-toi des jours du repos pour le sanctifier. The Bible says, remember to observe the day of Sabbath. Dieu nous montre comment nous devons vivre. So the Lord shows us how we must live. He gives us a lifestyle. Il dit dans la semaine, il y a 7 jours. He says, in a week we have 7 days. Le 7e jour, tu dois le sanctifier. But on the 7th day, you must sanctify. Il dit, le 7e jour, tu dois le mettre à part. But on the 7th day, you have to set it apart. Il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. The Lord says that you will work for 6 days. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. However, the 7th day is a day of rest. Tu ne feras aucun ouvrage. You will do no ordinary work. Ni toi. Neither will you. Ni ton fils, your son, ni ta fille, your daughter, ni ton serviteur, your servant, ni ta servante, ni ta servante, nor your servant, ni ton bétail, nor your livestock, ni l'étranger qui est dans tes portes, or the strangers who live in your home. Car en six jours l'Éternel a fait le ciel et la terre, the Lord had created heaven and earth, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Rest on the 7th day. Alléluia. Dieu qui a créé le ciel et la terre et toute l'âme. So the Lord who has created earth, heaven and everything in it. Il nous donne une façon de vivre. He gives us a way of living. Il nous donne comment nous devons vivre. And he shows us how we must live. Il commence à dire, n'oublie pas le sabbat. And the Lord says, remember. N'oublie pas ce jour-là pour le sanctifier. Remember this day to sanctify the Sabbath. Nous le disons tous. And we say it ourselves. Ce que Dieu a béni, il a béni pour l'éternité. Alléluia. Has blessed for eternity. La Bible dit que le jour Dieu a béni le septième jour. The Bible says that the Lord Himself had blessed the seventh day. Alléluia. Que ce verset ne soit pas 4-5. Oh non, je suis béni. Ce que Dieu a béni, il a béni pour l'éternité. It is verse 9. Dieu a béni le septième jour. Il a béni le septième jour pour l'éternité. The Lord had blessed the seventh day, and He blessed the seventh day for eternity. Dieu nous donne un style de vie. So the Lord gives us a lifestyle. Il dit qu'il y a 7 jours dans la semaine. And He says we have 7 days in our week. Le premier jour du père va travailler. The first day go to work. Deuxième jour va travailler, va rendre visite à tes enfants. Second day go to work, go visit your children. Va visiter tes frères. Go visit your brothers. Le troisième jour va faire les achats. On the third day go do groceries. Le quatrième jour tu peux préparer 5 fois dans la journée comme tu veux. On the fourth day you can cook 4 times. Le sixième jour va faire des business. On the sixth day go. Mais le septième jour. But on the seventh day. La Bible dit c'est un jour. The Bible says. C'est la journée de Dieu. It's the Lord's day. Et puis Dieu vient. And the Lord comes. Dans le verset que nous avons lu ici dans Exode 20. Finish reading in Exodus 20. Il dit souviens-toi. He says, remember. Dans la vie, quand on te dit, souviens-toi. So in life, when we say, remember. Comme on dit à l'imana, mon toi n'avait dit, c'était quelque part. Alléluia. Amen. Je peux dire à Steve, hein, Steve, fais ça pour moi. I can go and tell Steve, do this something for me. Mais si je dis à Steve, souviens-toi de faire. But if I tell Steve, remember to do this. Il y a une différence. Alléluia. Dans d'autres versions, on n'a pas dit souviens-toi. In other versions, it's not said remember. On a dit rappelle-toi. It said that you ought. Dans d'autres versions, la façon dont on dit n'oublie pas. In other versions, the Bible says do not forget. Alléluia. Dieu nous donne une façon de vivre. So the Lord shows us the way that we ought to live. Et
la Bible me montre, là je suis dans Luc 23. And now in Luke 23, the Bible shows me. Le verset 54. In verse 54. La Bible montre même quand Jésus est mort. And even when Yeshua had died. Comme c'était pendant la préparation de la de Sabbat. It was during the preparation of the day of Sabbath. La Bible dit quand l'heure de Sabbat. The Bible says that when the hour is set, Joseph and all the dames qui étaient là, the Bible says that the ladies they went to Yeshua's body. And once they had seen Yeshua's body, they had to return and sanctify the day of Sabbath. Amen. Amen. We're going to read in Mark 16, verse 1. Voici ce que la Bible me dit. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. At the conclusion of Sabbath, when Sabbath had ended, Mary Magdalene, Mary mother of James, and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Yeshua's body. Alléluia. Voilà comment le sabbat, c'est un style de vie très important. And this goes to show how important Sabbath really is. Même pour le deuil de Yeshua. Even while we were mourning Yeshua. On a d'abord laissé le corps. We first had to leave his body. Ils sont d'abord allés faire le sabbat. Because they first went to celebrate the day of Sabbath. Et puis quand le sabbat fut passé. And the Bible says when Sabbath had ended. Ils sont maintenant rentrés pour terminer l'affaire. Alléluia. To resume to what they were doing. Dieu nous donne une ordonnance. So the Lord is giving prescriptions. Dans Deutéronome 12. In Deuteronomy 12. Dans Deutéronome 5, verset 12. Deuteronomy 5, verse 12. La Bible dit, observe le jour du repos pour le sanctifier. The Bible says to observe the day of rest in order to sanctify it. Comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. As the Lord your God has prescribed. Tu travailleras six jours et tu feras work ton ouvrage. And you will do ordinary work. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. But the seventh day is the day of rest, declares the Lord your God. Deutéronome 5, verset 12 dit que le sabbat c'est une ordonnance de Dieu. So Deuteronomy 5, verse 12, the Bible says that the day of Sabbath is a day that was prescribed by God. Jérémie 17, 29, la Bible dit encore c'est une ordonnance de Dieu. It was a prescription on the behalf of God. Une ordonnance. A prescription. Quand on te donne une ordonnance à la pharmacie, prescription in the pharmacy, tu dois suivre ce qu'on dit dans l'ordonnance. All of what was prescribed. Alléluia. Qui entre nous ici, il va nous donner une ordonnance pour prendre l'aspirine 4, les comprimés par jour, lui prend 2 and you instead take 7. Dieu nous a donné une ordonnance. The Lord gave us prescriptions. Et il dit que dans la semaine, il y a 7 jours. He says that during a week, we have 7 days. Mais le septième jour, the seventh day, c'est un jour consacré à moi. Is a day dedicated to the Lord. Alléluia. Dieu revient encore dans Lévitique 23, le verset 1. In Leviticus 23, verse 1. Là, on nous montre que le sabbat c'est une fête pour l'Éternel. Where the Bible shows that the Sabbath is a day of feast. Et c'est une convocation sainte. And it's a holy convocation. Alléluia. Amen. Quand on te dit c'est une convocation. So when you know that it's a convocation. Il y a une notion d'obligation là-dedans. There's a notion of obligation inside also. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Dieu nous montre comment nous devons vivre. So the Lord shows us how we ought to live. Dieu nous donne l'ordonnance. The Lord gives a prescription. Dieu nous donne un style de vie. And he also gives us a lifestyle. Dans Ézéchiel 20, le verset 12, il dit que je vous donne mes sabbats. He says that he gives sanctifier us sabbat. Sanctify the Sabbath. Vous devez les mettre en pratique. And that you must also apply it. C'est comme ça que vous devez vivre. And therefore, that's the way you ought to live. Alléluia. Je disais un jour à ma femme. And one day I told my wife. Quand nous avons compris l'histoire du sabbat. When we understood the story of Sabbath. J'ai dit le diable, il est toujours diable comme papa et m'a dit. I said like papa et m'a tends to say the devil is always the devil. Parce que quand tu regardes le monde. Because when you see in the world. Les mauvaises choses.
the bad things, les mauvais rendez-vous, or bad meetings, on les fait souvent le jour du sabbat. They usually make them occur during the day of Sabbath. Le vendredi soir, so Friday night, c'est l'heure d'aller dans les boîtes. Now it's time to go to clubs. Jusqu'au samedi. Till Saturday. Les gens sortent rarement. So people rarely go out on Sunday. Vous êtes d'accord avec moi? You agree with me? Les rendez-vous mauvais de toujours. So the bad things are always vendredi soir. Beginning Friday night. Donc on peut aussi dire que dans le monde, so you can also say that in the spiritual, world, spiritually, Dieu nous a donné un style de vie. The Lord gave us the devil also came to present another lifestyle. Écoutez, tu travailles de lundi au vendredi. Well, you work from Monday to Friday. Le vendredi soir, c'est le jour que le temps que tu vas te défouler. But Friday is the day that you say that you need to let vendredi soir, c'est le temps que tu vas te défouler. And Saturday is the day that you choose to want to go. On vient tourner de la destinée de Dieu. Miss the mark in the destiny the Lord had established. Dieu dit dans Exode 31. For the Lord says in Exodus 31. J'aime bien ce passage. And I really like this passage. Tout le monde ouvre nos Bibles. We can all open our Bibles and read. Exode 31 à partir du verset 12. Exodus 31, starting with verse 12. Si tu regardes la Bible, you pay attention in your Bible. On a même mis le titre le sabbat rappelé. The title is A Sabbath Reminder. Dieu revient encore à la charge. So the Lord returns to take charge. Dans la Bible, après Exode 20, for the Bible, after Exodus, revient encore à la charge de Exode 31. He returns to the notion of Exodus 31. La Bible dit au verset 13, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ça sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui va le profaner sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On arrête là. Alléluia. Remember to keep my Sabbath day, for the Sabbath is a sign of the covenant between me and you from generation to generation. It is given to you so that you may know that I am the Lord who makes you holy. You must keep the Sabbath day, for it is a holy day for you. Anyone who desecrates it will be put to death. Anyone who works on that day will be cut off from the people. La Bible dit ça sera un signe entre vous et moi. The Bible says the Sabbath is a sign between you and the Lord. C'est un signe de sanctification. It's a sign of sanctification. C'est un signe qui va montrer que Dieu dit on travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. You have 6 days each week for your ordinary work, but the seventh day must be a complete day of rest dedicated to the Lord. Mais consacré à l'Éternel. The Bible says dedicated to the Lord. Il y a un verset que nous avons lu précédemment ici. And recently there was a verse that we just finished reading. Ézéchiel 20, 18 to 20. Ezekiel 20, verse 18 to 20. La Bible dit dans d'autres versions. In other versions, the Bible also. Quand tu regardes le français courant, quand tu regardes le nouvel français courant, la Bible dit réservez-moi les jours de sabbat, c'est les jours d'une relation entre moi et vous. The Bible says to receive the Lord on the day of Sabbath, to be in relation with Him. Donc je répète, quand tu regardes Ézéchiel 20, if you see Ezekiel 20, verse 18 to 20. Quand tu regardes la français courant, and you read other French versions. Quand tu regardes la nouvelle français courant, on te dit que Dieu dit, réservez-moi ces jours. The Bible says that the Lord says to reserve this day for Him. Il dit ces jours, c'est un jour de relation. Where this day is a day of relation. C'est un jour d'intimité. It's a day of intimacy. Entre le Créateur et sa création. Of both the creation and the Creator. Alléluia. Dieu nous montre un style de vie. So the Lord shows us a lifestyle. Il dit que le septième jour, c'est un jour consacré à Dieu. And the Lord says that the seventh day is a day dedicated to God. Quand on parle de consacré, so when we speak about dedication, il y a la notion de sacré aussi à l'intérieur. You also, there's the word, the notion of sacred. Quelque chose qui est sacré. So something that is sacred. Quelque chose qui est dédié à Dieu. Something that is dedicated to God. Alléluia. Dans la Bible, nous donnons tout cet exemple.
We always see this example in the Bible. Que Anne avait consacré son fils à Dieu. And Anna dedicated her son. Donc son fils était dédié à Dieu. So her son was dedicated to the Lord. Quand on dit que le sabbat c'est le septième jour sanctifié. When we say that the Sabbath day is the seventh day, c'est un jour consacré à lui. The Lord shows us it's a dédié au Seigneur. It's dedicated for the Lord. Dieu nous donne le style de vie. The Lord shows us a lifestyle. He says you have 6 days. J'ai dit à mon fils Rudy, and I told my son Rudy. J'ai dit, Dieu, la Bible dit dans Genèse 1, from the beginning to the end. Dieu a créé le ciel et la terre et the Lord created heaven, earth, and everything in it. J'ai dit, dans les six premiers jours, il y a aussi la création de l'homme. I said, but in the first 6 days also came the creation of man. Il y a aussi la création des animaux et des poissons. As well as the animals and the fish. Il y a aussi la création des herbes, tout ce que nous voulons. The herbs and everything in it. J'ai dit, tout ce que Dieu a fait les premiers 6 jours, nous l'acceptons facilement. But I said, the first 6 days what the Lord had done. Nous aimons tellement la terre qu'il a créée, nous voulons même plus mourir. And that we love the earth that he even made, that we no longer want to die. That's where everything changes. Hallelujah. Amen. What the Lord did for the first 6 days, we all agree with it. But on the seventh day when the Lord rests with us, the Lord is asking us to do the same thing. Nous a créé, il nous a donné un style. He who has created us, he gave us a lifestyle. So tell your neighbor, you have 6 days. Tell your neighbor, you have 7 days in a week. The Lord is giving you 6 days. And during those 6 days, you can do whatever. Tu devais avoir des cailloux, c'est toi ton problème. Tu devais aller faire le shopping quand le mall va s'ouvrir jusqu'à ce que tu fermes. C'est ton problème. Tu devais aller au cinéma, c'est ton problème. Tu devais à midi, tu vas au mandarin. Dans la soirée, tu vas aussi au mandarin, c'est ton problème. Mais le septième jour, Dieu a dit, souviens-toi. But on the seventh day, the Lord said, Dieu a dit, sanctifiez ce jour. On the seventh day, the Lord said, réservez ce jour pour moi. And reserve this day for me, says the Lord. J'ai posé la question à quelqu'un. So I asked somebody this question. Marc 2, verset 28 dit que Dieu est le maître du sabbat. The Lord says that he is a master of Sabbath. Est-ce que quelqu'un qui est maître dans quelque chose, il peut le faire, il peut l'annuler facilement? So someone who is a master of something, can he eradicate that easily? Est-ce qu'on peut me répondre? And somebody answered. Le Seigneur est le maître du sabbat. The Lord is the master of Sabbath. Le jour du sabbat. And on the day of Sabbath. C'est son jour saint. It's his holy day. C'est son jour béni. It's his blessed. C'est le jour que lui que il a choisi pour une relation d'intimité avec l'homme. It's the day that the Lord chose for him to have intimacy in a relationship with man. Dieu nous donne un style de vie. So the Lord gives us a lifestyle. Il est dit, ce jour, le septième jour, il est dit, toute chair viendra se prosterner devant lui. And he says that on the seventh day that every knee will bow before him. Là, je suis dans Esaïe 66, verset 23. Verse 23. Dieu nous donne un style de vie. The Lord gives us a lifestyle. Dans Esaïe 66, verset 23. Isaiah 66, verse 23. Fais tout ce que tu peux faire. He says, do whatever you want to do. Mais le septième jour. But the seventh day. Toute chair. Every person viendra se prosterner devant moi. Will bow before me, says the Lord. Alleluia. Et dit tout chair. And he says that every person, quelle que soit ta condition, no matter your condition, quelle que soit ton origine, no matter your place of origin, tout chair. The Lord says that every person. Nous allons lire Ézéchiel 41. So we're going to read Ezekiel 41. Ézéchiel 46, pardon. Sorry, Ezekiel 46. Le verset 1 et le verset 3. We're going to read verse 1 and verse 3. La Bible dit ceci. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Des points. La porte du parvis intérieur
du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvrables. Mais cette porte sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Verset 3. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte au jour du sabbat et aux nouvelles lignes. Alléluia. Amen. This is what the Sovereign Lord says. The east gateway of the inner courtyard will be closed during the 6 work days each week, but it will be open on Sabbath days and the days of new moon celebrations. The people will bow down and worship the Lord in front of this gateway on Sabbath days and on the days of new moon celebrations. Dieu le montre, est-ce une vérité, tu peux tout faire. So the Lord shows us, le septième jour, anything you want for 6 days, but on the seventh day, tu dois venir te prosterner au devant de moi. You must come and bow before me. Et les portes du temple peuvent être fermées les 6 jours. The doors of the temple will be on each 6 days. Mais le septième jour, cette porte doit être ouverte. But on the seventh day, that door must be open. Et mon peuple doit venir se prosterner au devant. And my people will come and bow before me. Je me suis posé cette question aussi. And I ask myself this question also. Même quand on vient le jour du sabbat ici. Even when we come here on the day of Sabbath. Est-ce qu'on se prosterne devant l'Éternel? Do we bow before God? Si nous connaissons le sens de se prosterner. We know the sense, the meaning of bowing down. Alléluia. Amen. Il dit le septième jour, on doit se prosterner devant lui. The Bible says on the seventh day we have to bow before the Lord. On doit l'adorer. We have to worship. Nous devons tomber à genoux devant l'Éternel. On our knees. Reconnaître sa reconnaître son autorité. L'élever de notre toi parce qu'il est le maître. Honor, for he is the master of Sabbath. Et dit ce jour-là. The Lord says on this day. Et je vais encore clarifier quelque chose ici. I want to clarify something again. Quelqu'un m'a déjà posé cette question. Est-ce qu'on peut pas prier tous les jours? Somebody asked this question. Can we not pray every day? On peut prier tous les jours. I said yes, you can pray every day. Tu peux aussi aller à l'église tous les jours. You can also go to church any day. Mais le septième jour. But the seventh day. C'est une ordonnance. It's a prescription. Et c'est une convocation. C'est là où le jour que Dieu t'attend. Les autres ne peuvent pas le faire. Mais ce jour ici, c'est à l'invitation du roi des rois, du Seigneur des Seigneurs. Invitation on the behalf of the Lord of Lords. Alléluia. Amen. Dieu nous donne un style de vie. So the Lord gives us a lifestyle. Et dit ce jour-là, He says on this day, toute chair va venir se prosterner devant moi. That the people will bow before me. Je suis dans deux rois. 4, verset 23. In 2 Kings 4, verse 23. Une histoire que nous connaissons bien. This is a story that we know well. Une femme, on appelle la Shunammite. We call her the Shunammite. La Bible dit cette femme n'enfantait pas. And the Lord, the Bible says that this lady was not able to conceive. Le prophète Élie est passé par là. And the prophet Eli came. And she gave birth to a child. Et soudain un jour cet enfant est mort. And suddenly on the next day the child had passed away. La femme est ressortie, son mari a posé la question. So her husband had asked a question. Comme elle croyait en Dieu, since she believed in God, elle dit à son mari, tout va bien. She tells her husband, everything is going well. Mais la Bible dit, il appelle un des ouvriers, dit, amenez-moi le cheval. But the Bible says, she said, call one of the workers. Il dit à son mari, je vais aller voir. She says, bring the horse so I can go see the man of God. Son mari a posé la question. But her husband asked the question. Écoutez la question, je suis dans 2 Kings 4. 2 Kings 4. Le mari a posé la question. Pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu aujourd'hui? C'est le jour du sabbat. Said, go see the man of God. It is not the day of Sabbath. Alléluia. And in Malak, I tell Mama Jeanne, why are you going? What are you going to do? Et ça, pour le sabbat, pour le sabbat. It's the day of Sabbath. What are you looking to do? C'est pour montrer que ils avaient la coutume, ils avaient le style de vie d'aller rencontrer les serviteurs de Dieu, d'aller à l'église le jour du sabbat. Alléluia. So this goes to show the custom that they had to go and visit the man of God, go to church on the day of Sabbath. Dieu nous donne un style de vie. So the Lord gives us a lifestyle. Nous allons lire Acte 16. We're going to read Acts 16. Le verset 13. Acts 16, verse 13. Voici ce que la Bible dit. Here's what the Bible says. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous
pensions que se trouvait un lieu de prière. Alléluia. On the Sabbath, we went to a little way outside the city, to the riverbank, where we thought people would be in prayer. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. And we sat down to speak with some women who had gathered there. Et quand nous regardons aussi dans Luc 4, verset 16 que nous avons lu, like we read in Luke 4, verse 16, la version de parole de vie, on dit que Yeshua, et ils ne disent pas que Yeshua est allé, il est entré dans la synagogue, mais ils disent que Yeshua est entré dans un lieu de prière. Says that Yeshua entered the place of prayer. Le jour du sabbat, c'est un de vie, c'est un jour de prière. Alléluia. It's a day of prayer. Si nous comprenons ce que signifie la prière, so if we understand what it means, c'est une communication entre nous et le Père. It's a way of communicating with you and the Father. Il a dit que c'est un jour de relation, d'intimité. C'est un jour de prière. It's a day of prayer. Alléluia. C'est un jour de prière. It's a day of prayer. Ce jour-là, so on this day, tu dois être en prière. You have to be in prayer. La Bible montre, ça nous sommes dans Actes 15. The Bible shows us in Acts 15. Et verset 21. Verse 21. La Bible dit ceci. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours. For these laws of Moses have been preached in Jewish synagogues in every city on each Sabbath day for many generations. Yeshua in the synagogue had the habit of teaching. Et la Bible montre aussi dans Actes 13, Paul aussi est venu avec la même habitude. Paul prêchait toujours les jours du sabbat, il enseignait toujours dans le synagogue. Dieu nous donne un style de vie, le jour du sabbat. C'est le jour d'écouter sa parole. C'est le jour d'être dans sa présence. It's also the day to be in his presence. C'est le jour de se prosterner devant Dieu. It's also the day to bow before the Lord. C'est le jour de prier. It's also a day of prayer. C'est le jour d'offrir à Dieu. And it's a day to offer to the Lord. Comme Romains 12, elle dit. Like Romans 12, verse 1 says. Nous devons nous offrir à Dieu. We should offer ourselves to God. Comme une offrande vivante. As a living sacrifice. C'est le jour du sabbat, c'est le jour que nous devons offrir à Dieu. So that we must offer. Nous sommes cause. Il y a des offrandes de sabbat. Offerings for that's the day of Sabbath. Le jour du sabbat. So on the day of Sabbath. C'est le jour de louange. It's a day of praise. Alléluia. C'est le jour que nous devons le Seigneur. It's a day we should glorify the Lord. Il y a même le psaume 92 que nous lisons. Psalm 92 that we tend to read. La Bible là dit le psaume du sabbat. The title is Psalms of Sabbath. Et dans psaume 118 verset 24. Psalm 118 verse 24 that I really like. La Bible dit voici ici c'est la journée que l'Éternel Dieu a fait. The Bible says here is the day that the Lord has made. Que ça soit une journée d'allégresse et de joie. It may be a day of joy. Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Where the Lord had told. Dans Exode 31. Exodus 31. Et nous devons célébrer le sabbat. We should celebrate the day of Sabbath. Il dit dans Lévitique 23. Where he says in Leviticus. Que le jour du sabbat c'est le jour de sa fête. Alléluia. The Lord gives us a lifestyle. Tu peux faire tout ce que tu fais pendant les six premiers jours. You can do whatever you want for the first six days. Le septième jour, c'est le jour de le louer. But the seventh day is a day to praise Him. C'est le jour de le célébrer. C'est lui le maître du sabbat. It's a day to celebrate the Lord, for He is the master. Il n'est pas maître du sabbat pour rien. He is not master of Sabbath for no reason. Car s'il est maître du sabbat, because if He is the master of Sabbath, comme il est maître du sabbat, He is the master. Ce jour-là, c'est son saint jour. That day is His holy day. Un jour saint. Holy day. Pour un Dieu saint. For a holy God. Un jour saint. A holy day. Pour un peuple saint. For a holy people. C'est le jour de célébrer l'Éternel. It's the day to celebrate. À lui toute la gloire, toute l'honneur, toute la magnificence. Dieu connaît la valeur de ce jour. The Lord knows the worth of that day. Ça c'est moi qui le dis, hein. C'est pas la Bible qui le dit. This is me who says this, not what the Bible is saying. Je lis que les jours que Yeshua avait fouetté les gens.
So the day that Paul was whipping people out of the temple. La Bible dit parce que il a fouetté les marchands. The Bible says that because he was whipping the jour de marchands. Sabbath. Maybe it was the day of Sabbath. Parce que la maison de mon père c'est la maison de prière. As Yeshua says that my le jour de Sabbath c'est le jour de prière. And the day of Sabbath is a day of prayer. Dieu nous donne un mode de vie. So the Lord gives us a way to live. Et dit pendant les six premiers jours, tu peux préparer comme tu veux. You can cook as much as you want. Tu devais préparer comme il y a maintenant ces jours. You want to cook like you want to cook. Tu prépares, fais un casserole. Comme on dit, prépare. Mais le jour du sabbat, you can go and cook, but on the Sabbath day, c'est le jour que tu consacres à ton Dieu. It's the day that you dedicate to the Lord, your God. Tu peux même veiller pour préparer, veiller pendant le sujet. If you have to do overnight just to cook, you can do so. Dieu nous donne un style de vie, tu peux acheter tout ce que tu veux. You can buy anything you want. Mais le jour du sabbat, but on the Sabbath day, the Lord tells you, achète pas ou ne vends pas. Do not buy anything, nor will you sell anything. Alléluia. Je suis dans Néhémie 10, verset 31. Nehemiah 10, verse 31. La Bible dit ce jour-là, on ne vend pas, on n'achète pas. The Bible says we do not sell anything. C'est pour cela, dans Marc 16:1, on a vu, même quand Yeshua était mort, even when Yeshua was dead, quand le sabbat fut passé, the Bible says it was Sabbath. Les femmes sont parties acheter. The women went back to buy. Les histoires qu'elles avaient besoin pour embaumer Yeshua. They needed to bury Yeshua. Alléluia. Ça c'est mon commentaire moi aussi. This is my personal commentary. Quand je comprenais ces choses, nous sommes aussi égoïstes. On nous donne 6 jours pour acheter. When I understood this, I said we're also selling. Mais le septième jour, nous voulons toujours acheter. On the seventh day, we want to buy on the seventh day. Alléluia. Nous disons que Dieu est juste, amen. But we say that we have a righteous God. Dans 7 jours, Dieu a pris seulement un jour. So out of 7 days, the Lord just took 1 day. Il nous a laissé 7 jours. And he gave us 6 days. Et tous les jours, là, on a toujours 24 heures. Ce n'est pas que le 7 jour, on a 24 hours. It's not that the 7th day has many hours. Alléluia. On dit là, il faut faire la volonté de Dieu. We say that on the seventh day you must do the will of God. Là, je suis dans Esaïe 58, verset 13. La Bible dit c'est le jour de gloire, de la gloire de Dieu. The Bible says it's the day of God's glory. La Bible dit on doit honorer le Seigneur ce jour. We must also honor the Lord on that day. Comment? La Bible dit on doit retenir notre pied à faire notre volonté. The Bible says we have to keep our feet from doing our will. Ce jour là, il faut faire la volonté de Dieu. Because on that day you must do the Lord's will. Alléluia. Comme dit Dieu nous donne un style de vie. Like I said, the Lord gives us days. Donnez-moi seulement un. Just give me one. Et voilà ce que vous devez faire ce jour là. This is exactly what you must do on this day. Alléluia. Amen. Comme moi je dis toujours. Like I tend to usually say. Tout ce que nous faisons sur la terre, ça c'est moi. And this is me saying this. Moi j'ai l'impression que nous faisons un entraînement pour ce qui est dans les cieux. I'm under the impression that what I'm doing here on earth is for training purposes. Parce que Hébreux 4, verset 9 a dit. Because in Hebrews 4, verse 9. La Bible dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. There's also a day of rest reserved for the people of God. Et le verset 11, la Bible dit, nous devons nous forcer pour entrer dans le repos de Dieu. Verse 11, the Bible says that we must force ourselves to enter into God's rest. Ici on parle dans le futur. So here we're speaking about the future. Moi je dis il y a oui, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. And the Bible says that there is a day of rest reserved. Maintenant et après la mort. Now and even after death. C'est pas nous qui disons quand quelqu'un meurt, oh que son âme repose en paix. But that's why do we not say when somebody dies, may his soul rest in peace. Que son âme repose. May his soul rest. Donc tu envoies que tu dis que ton souhait que son âme va dans le sabbat de Dieu. So you're wishing that this person's soul enters the Lord's Sabbath. Mais pendant que nous sommes sur la terre. But while we're here on earth. Chaque samedi nous sommes en train de pratiquer ce que nous allons. I believe that every Sabbath we're practicing what we will live after death in heaven. Et quand tu vois la Bible aussi nous dit que. The Bible also says.
Celles qui ne seront pas avec le Seigneur, those who will not be with the Lord, ils vont aller dans les lieux de tourment et de crissement de dents. Gnashing of teeth, the place of torment. Donc dans les lieux de tourment, so in the place of torment, there is no rest. Alléluia. Dans les lieux de tourment, donc il n'y a pas de. In the place of torment, there is no rest. Dans d'autres versions, on dit le lieu de trouble. In other versions, it says a place of crying and a place of trouble. Mais pour les peuples de Dieu, il y a un repos. For God's people, there is rest. Et je crois que ce repos, on doit le commencer maintenant. And I think that this rest we have to start now. Et quand le Seigneur va revenir, il va nous donner son repos pour le Dieu. He will make us enter in His everlasting rest. Dieu nous donne un style de vie. The Lord gives us a lifestyle. Nous devons prendre son sabbat comme un style de vie. We should take the Sabbath as a lifestyle. Du premier jour jusqu'au sixième jour. From the first day to the sixth day, do whatever you want. Fais tout pour libérer le septième jour. You should do anything. Et ton septième jour soit libre. Pour que tu le consacres à Dieu. You dedicate it to the Lord. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. On peut s'incliner en prière. You can bow in prayer. Vous pouvez monter. Dis seulement, Seigneur, aide-moi. Just simply say, Lord, help me. Dis Yahweh, aide-moi. Say, Yahweh, help me. Aide-moi à bien comprendre ce style de vie que tu nous as donné. Help me to properly understand the lifestyle that you have given us. Seigneur, aide-moi à savoir. Lord, help me understand. Tout faire pendant les six premiers jours que tu nous as donné. And I can do anything for the first 6 days that you have given. Pour que le septième jour. And understand that on the seventh day. Que je sache vraiment à le consacrer. And I truly know how to dedicate for your glory. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi.